D'abord, je me définis comme un disciple de la non-violence. Parce que je suis convaincu que l'arme fatale des faibles que nous sommes, c'est la non-violence. La non-violence a fait ses preuves dans des pays que nous connaissons. Le Mahatma Gandhi. On a vu des mouvements paysans défendre leur coton devant la machine de l'OMC pacifiquement. On a vu l'exemple des Kanaks, comment leur attitude a, j'allais dire, démobilisé la France. Même au Cameroun, on a vu, et notre ami Diantou nous l'a dit, on a vu, ils n'ont pas pris les armes contre le gouvernement. Mais le ministre de l'enseignement supérieur s'est trouvé obligé à un moment donné de s'asseoir autour de la table avec eux et de discuter, d'amorcer la discussion. Cela à lui seul suffit pour comprendre que, au-delà de toutes les voies que vous avez énumérées, il y a la voie de la non-violence. Et pour moi, la question serait aujourd'hui, comment amener les gens à engager des actions non-violentes? C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Par quel bout prendre l'affaire? Comment commencer? Et c'est là où intervient l'éducation. D'abord, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la démocratie. Comment défendre nos droits fondamentaux? Parce que le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde pense que non, c'est l'affaire des autres. Quand allons-nous nous sentir concernés? Et que tant qu'on peut se débrouiller, jongler, comme on peut pour avoir à manger, on s'en fout du reste. Ne sommes pas comme Guilla pour qui le Cameroun, c'est le petit morceau sur lequel il est tenu. Non, nous devons nous sentir concernés à tout moment. Donc, il faut commencer par démontrer aux gens qu'ils ont intérêt à s'impliquer dans la lutte, dans la résistance. On peut imaginer, entre maintenant et 2011, au moins un ou deux jours dans la semaine, où les gens restent chez eux. On tire, évidemment, ils ont tiré en février 2008. Nous ne sommes pas tous morts, hein. Il y a des survivants. Et qu'il tue jusqu'au dernier. J'ai vu la révolution en Roumanie, par exemple. Les gens qui s'accrochaient sur des chars. On a tué. Beaucoup tué. Mais le peuple a fini par avoir gain de cause, non? Donc, honnêtement, je crois que si nous avons cette éducation à la non-violence, si nous avons des initiatives, nous prenons des initiatives, dans le sens de contraindre le pouvoir à discuter avec nous. Le problème, c'est que quand on s'assoit pour réfléchir, l'argent finit par avoir raison de nous, on vient vous corrompre les uns après les autres. Finalement, les plus résistants se retrouvent seuls. C'est ça le drame du Cameroun. Pour moi, il faut s'attaquer d'abord à ce phénomène. Vous parlez de l'opposition. Quelle opposition? Nous avons tous été témoins de la victoire du SDF aux élections 92. Moi, je persiste à croire que le SDF avait gagné l'élection présidentielle en 92 avec Frondi. Mais je suis de ceux qui croient aujourd'hui qu'à quelque chose, malheur est bon. Parce que je ne suis pas sûr que si Frondi avait joué de sa victoire, le Cameroun existera encore sur la carte. Donc, ce n'est pas pour justifier ou pour approuver avec, je ne sais pas moi, une décennie de retard ce qui s'est passé en 92. Non. Mais il faut être réaliste, Frondi, on l'a
on l'a découvert finalement, ce n'est pas un démocrate du tout. Donc, la lutte armée, nous n'allons pas encourager des boucliers humains, nous n'allons pas. On sait très bien comment les gens réagiraient en face. La France va intervenir, tout le monde va intervenir, et c'est des innocents qui vont payer. À quoi cela aura servi? 2, 3, 4 années de guerre. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, si nous sommes en train d'enquêter sur le phénomène, il y a un coup d'État qui se prépare, qui aurait pu se produire juste au lendemain du départ du pape du Cameroun. C'est-à-dire que des gens recrutent des recrutent des Camerounais au Cameroun, d'anciens militaires mécontents, tous ceux qui veulent bien faire partie d'une guérilla. Ils sont formés dans le désert, chez les Touaregs là-bas. C'est les Touaregs qui sont les instructeurs. Il y a des groupes qui viennent déjà progressivement et attendent. C'est une réalité. Mais moi, ça me fait rire parce que je sais que ça ne peut pas prospérer. Pour une raison simple. Qui est derrière ce mouvement? C'est les mêmes qui vont être appelés demain à contrer la rébellion. Ils ont beaucoup d'argent, c'est vrai, mais l'argent ne suffit pas. Donc c'est une situation assez complexe. Et si nous encourageons le peuple à s'embarquer dans une telle aventure, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir l'arrêter à un moment donné. Ça risque d'être pire qu'en Côte d'Ivoire. Si je peux en rebondir, il y a en quelque sorte une contradiction avec le discours. Nous sommes aujourd'hui pour l'assassinat du président de l'UPC. Mais vous avez justement dit qu'on doit continuer sur leur voie. Mais l'UPC, à l'époque, prenait la lutte armée pour la libération du peuple. Bon, quelle voie nous sommes donc en train de suivre derrière nous? Je ne suis pas pour la lutte armée. C'est une voie qu'ils ont choisie, qu'on peut respecter sans y adhérer. Je pense que ce qu'on doit retenir sur ces gens-là, c'est leur esprit de résistance. Comment résister à un régime dictatorial? Eux, ils disent que c'est par les armes. Moi, je dis que c'est par la non-violence. C'est pour le même objectif, le même but que nous poursuivons. Les moyens peuvent être différents. Et mon moyen à moi, c'est la non-violence. Et je crois, je suis convaincu que par la non-violence, on y parvient. Moi, je vous une anecdote pour terminer. J'ai eu la chance assez rare de rencontrer dans ma vie un homme qui s'appelle Nelson Mandela. Et un jour, au cours d'un dîner, je lui pose la question de savoir comment il peut être aujourd'hui l'homme le plus modéré de l'ANC, au point, n'est-ce pas, que cela crée des dissensions au sein de son parti. Comment il peut expliquer que 27 ans après avoir subi par an 27 ans ce qu'il a subi, il soit aujourd'hui l'homme qui essaye de rapprocher d'abord les deux tendances de l'ANC, ensuite l'ANC du reste de l'Afrique du Sud. Comment il peut expliquer ça? Il me dit, je te réponds par une anecdote. Il me dit, quand on m'a libéré, il y a un journal de Star qui est dirigé par un de tes amis qui s'appelle Stein, qui a titré à la une, on a libéré l'assassin. Quand j'ai vu ce journal, j'ai été tellement choqué. Je l'ai pris. Aucun des gars autour de moi n'a su à quel moment je suis parti de la maison. J'ai bondi au volant dans ma voiture moi-même. J'ai atterri au siège de ce journal.
Les gardes ne m'ont pas vu passer. Je me suis retrouvé au cinquième étage où il y a le bureau de Stein. La secrétaire a entendu ma voix. Que naïsi, Mr. Stein. Dès qu'elle a levé la tête, elle m'a vu. Elle a pris le téléphone, elle est restée comme ça à me regarder. Il s'est écoulé du temps. Puis quand elle a retrouvé ses forces, elle a dit, Mr. Mandela, ici. Ça a pris 5 minutes à Stein pour ouvrir sa porte et sortir. Alors quand il sort de son bureau, il se retrouve nez à nez avec Mandela. Mandela sort le journal et dit, qui est l'assassin? La victime ou le bourreau? Il lui a balancé ça sur le visage, il est parti. Dès la semaine d'après, The Star est devenu le meilleur soutien de tout ce qui se négocie au sein de l'ANC. Donc, The Star a accompagné l'ANC dans toutes les négociations qu'il y a eu jusqu'à l'aboutissement de l'indépendance. Et il me dit, j'aurais pu, moi, prendre une arme, débarquer là-bas, lui filer une balle dans la tête. On n'aurait jamais eu un tel allié, et pourtant on en avait besoin. The Star est un journal blanc. Il en avait besoin à l'époque. Donc, si cela peut illustrer un peu ce que la non-violence peut apporter à un combat. Mais je peux vous assurer que son anecdote m'a renforcé dans ma conviction que la non-violence est une voie qu'il ne faut pas négliger. Je vais parler aujourd'hui dans mon exposé du pouvoir du verbe. Cela participe des instruments de la non-violence. Et je crois qu'on peut très bien, en utilisant ces instruments-là, parvenir à faire réfléchir des situations, même parmi les plus compliquées. Oui, merci. Merci.